qui constitue cette force fédératrice de l'ensemble de l'organisme. Et quand on regarde bien, on voit que cette organisation, à partir des atomes, molécules, cellules, tissus, organes, organismes, sociétés, esprits et plus loin, on ne le connaît pas, voilà ce que nous voyons dans l'existence, mais nous n'avons aucune raison de croire que l'existence s'arrête avec notre compréhension, et qu'on a toute raison de croire qu'il y a d'autres formes d'existence qui dépassent notre compréhension, ce sont des phénomènes, des complexifications. Et pour que cette conflictivation soit possible, il y a une force vivante qui est confédérative. Cette force a des éléments tels que la croissance, la procréation, l'adaptation, la planification, harmonie, interdépendance, réciprocité, coopération, etc. Donc, l'être vivant vit comme une sorte de confédération naturelle. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans la nature, l'évolution, que ce soit l'évolution darwinienne ou mendélienne, ne se fait pas de façon totalement continue. Ça se fait par cycle où une graine détient une plante, crée un ordre, ensuite cet ordre va s'effondrer, retourner au fumier, et dans ce processus, une nouvelle graine, un fruit, va apparaître. Et ce fruit, ou cette graine, n'est pas au même niveau génétique que la graine du départ. C'est une graine qui a été évoluée, qui s'est améliorée, et qu'un autre cycle va commencer. Ainsi, l'évolution va suivre des cycles répétés et ne suit pas quelque chose de linéaire. Parmi les auteurs qui ont étudié la chute de l'Empire romain, Saint-Augustin met en balance ces deux cités, ces deux civilisations, la civilisation laïque, la civilisation matérielle, la civilisation spirituelle. À l'époque où il écrit ça, Saint-Augustin s'était éloigné déjà de ses origines manichéennes, où il croyait, quand il était manichéen, comme jeune homme, qu'il y avait deux dieux. Il y avait Ahriman et Ahura-Mazda, et que ces dieux étaient en conflit, qu'à la fin du monde, c'est un conflit généralisé allait confronter le monde du mal et le monde du bien, et que le bien allait s'en sortir. Donc il a une vision beaucoup plus moderne, disons, de son période de christianisme, mais tout de même, il signe son livre « La cité des dieux contre les païens » et « De Civitate Dei contra Paganos », c'est le livre 1, où il dit que les deux cités sont mêlées et confondues, la cité laïque et la cité des dieux, et pendant cette vie terrestre, jusqu'à ce qu'elles se séparent au dernier jugement. Exposer leur naissance, leur progrès, leur fin, c'est ce que je vais essayer de faire avec l'assistance de Dieu, pardon, l'assistance du ciel, et pour la gloire de la cité de Dieu. Donc, déjà, Saint-Augustin se proposait de voir comment la civilisation naît et comment la civilisation disparaît. Un autre élément que nous trouvons dans les écrits sacrés, dans la Bible, c'est l'histoire de Noé, où il y a une destruction d'une civilisation et naissance d'une nouvelle civilisation. Destruction d'une civilisation qui ne suivait pas Dieu, et ce qui est intéressant. On lit en tout clair Matthieu, aussi Luc, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'histoire, le récit de Noé est peut-être historique, nous ne le savons pas, mais très certainement c'est prophétique aussi. Donc, va expliquer notre devenir et notre avenir. J'ai voulu me restreindre surtout aux écrits de Chaudière-Fanny sans pouvoir le faire entièrement, donc de 1897 à 1957, pendant 36 ans. Ça, c'est ton téléphone, hein? Oui, c'est chez moi. Alors, il faut que j'arrête ça. Ça. Tout va bien, vous entendez bien, c'est pas trop fort, ça va. Étonnant. J'ai dit le pas miracle, mais bon. Donc, hein, voilà, c'est en arrière.
Donc, les gardiens, je les ai dit, avaient un pouvoir d'interprétation pour révéler. Et ils n'avaient pas le pouvoir de révélation, mais ils révélaient le sens, ils dévoilaient les implications de paroles d'Abdu'l-Bahá, et tout en demeurant infiniment inférieurs à tous deux en rang et différents d'eux en nature. Donc, nous allons voir en particulier les écrits du gardien. Donc, quand nous lisons dans les écrits du gardien, le livre que nous avons cité hier, l'ordre mondial de Bahá'u'lláh en particulier, et je vous ai expliqué la simplification de cette lecture par vers un ordre mondial. Quelqu'un, est-ce que vous voulez ? Beaucoup de souffrances seront encore nécessaires avant que les nations, les croyances, les classes et les races de l'humanité en lutte se soient fondues dans le creuset de l'affliction universelle et soient forgées par les feux d'une cruelle espèce d'épreuve en une communauté organique, un système vaste, unifié et fonctionnant harmonieusement. Nous avons dit hier que cette souffrance était nécessaire. Nous avons tout à l'heure dit, pour qu'une plante puisse naître, il faut que d'autres plantes se transforment en humus pour permettre cette nouvelle vie. Et voilà comment, sur le plan de la civilisation, sur le plan de la société, ce phénomène se produit. Et, tu veux citer quoi ? Des adversités effroyables et impensables, des crises et des bouleversements inimaginables, guerre, famine et peste, pourraient bien s'allier pour graver dans l'âme d'une génération insouciante ces vérités et ces principes qu'elle a dédaigné de reconnaître ou de suivre. Une paralysie plus douloureuse qu'aucune de celles qu'elle n'a jamais subies doit gagner la structure d'une société disloquée et l'affliger plus encore avant qu'elle puisse être reconstruite et régénérée. Donc, Julien Fédy parle de deux phénomènes. Il parle d'un phénomène d'intégration et un phénomène de désintégration. Donc, ces deux phénomènes sont parallèles, sont concomitants, sont simultanés. Il y a un ordre ancien qui est en train de s'effondrer, une plante ancienne qui est en train de se transformer en humus, et une nouvelle plante qui est en train de prendre naissance. Et donc, Joguefine explique que le premier mouvement qui se développe progressivement, déploie un système qui peut servir de modèle à la communauté politique mondiale, vers laquelle s'achemine sans trêve un monde étrangement désordonné, alors que le dernier, à mesure que ça croît, son influence désintégratrice, tend à renverser avec une violence toujours croissante des barrières vétustes, qui cherchent à entraver le progrès de l'humanité vers le but qui lui est assigné. Et le processus constructeur, il dit, Joguefine, est lié à la foi de Bahá'u'lláh et un ordre mondial qui est en train de se déployer. Et l'autre, c'est une civilisation qui a refusé de répondre à l'attente d'un âge nouveau et qui, par conséquent, décline et s'enfonce dans le chaos. Beaucoup d'auteurs aujourd'hui parlent de notre planète malade, de la civilisation malade, du monde malade, etc. Or, les écrivains, à maintes endroits, parlent d'une naissance. Le message Bahá'í est un message extrêmement optimiste. Annonce l'avenue d'un monde nouveau, évidemment, comme nous avons dit, pour que ce monde nouveau puisse s'établir, les structures anciennes doivent s'effondrer. C'est une sorte de déménagement. Hein, vous avez une maison qui est trop petite, vous cassez les murs, et puis vous construisez votre villa à nouveau. Et il n'y a pas de rafistolage possible. On ne peut pas réparer un ordre mondial qui est défaillant. Il n'y a pas de petite réforme de possible. Et je pense dans les écrits sacrés, aussi bien ancienne que récente. On voit ça quand, dans l'Apocalypse de Saint Jean, nous lisons « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, quand le premier ciel, la première terre, avait disparu. » C'est une nouvelle création dont parle Saint Jean. Et les poètes s'y mettent. Cummings commente William Blake qui dit « Le monde meilleur naît, mais ne sont pas faits. Nous ne pouvons pas fabriquer un monde nouveau, et ces mondes nouveaux vont naître. » Et cité par Joguefine, dit « La terre entière est dans un état de gestation. Le jour approche où elle aura produit ses fruits les plus nobles. » Le message Bahá'í n'est pas un message apocalyptique dans le sens qu'on entend le jour destruction. C'est certainement un message apocalyptique dans le sens de la grande nouvelle qui nous est révélée d'un monde nouveau. Et
Abdu'l-Bahá, dans le secret de la civilisation divine, détaille ceci. Il dit le monde est